kosi iele ling kosi iele ling kosi iele ling kosi yesu kosi na yuda Tongo tongo bake na kundai Bakuti lili tampolele Bayaki mongongo koye pisa bango Boni bolu kimoto na bomoyi Na bisika ya bawe Yesu azana bomoyi Hoyo tonzi mela azana bomoyi Sotombo e vide Kunda e jali polele Que mon Jésus est vide, l'unique qui est vide. Monte manangi tonda ne sengo, yon ti melanjambo ya solo.
tikali polele lilita tikali polele 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 lilita tikali polele ayaya oh polele polele lilita tikali polele polele lilita tikali. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire que Lily t'es appolélé? La fête vient à peine de commencer. N'a qu'aucun morceau qui est ok. Parce que nous avons encore des choses. On a préparé cet album dans ce même style. On joue une autre musique, n'est-ce pas? On va aller dans le gospel. Mais le temps est tellement merveilleux que nous allons inviter le président provincial. Il a un mot à nous dire. Je n'ai pas le temps de lire ce que j'avais prévu, mais notez Ecclésiaste chapitre 2, versets 1 à 11. Notez et allez-y lire. Ecclésiaste chapitre 2, versets 1 à 11. Dans ce verset, c'est la conclusion qui me plaît. Au verset 11, l'auteur de ce verset dit ceci. En commençant par le verset 1, dit « Pour l'argent, j'en avais. Les femmes, je les avais. Je pouvais acheter tout ce que mon cœur désirait. Je pouvais faire tout ce que mon corps demandait. » Il est en train de citer des choses, à citer Babylone, « Oyakoka qui kusala » parce qu'il avait tout. Il avait l'honneur, il avait la gloire, il avait l'argent. Il avait tout ce qu'il faudrait. Mais c'est au verset 11 qu'il conclut. Il dit des paroles merveilleuses. Il dit, je regardais tout ça. C'est vanité de vanité. Alléluia. Ça fait, Ozan Ambongo, mais tu ne sais pas comment aux autres. Le jour où on va t'enterrer, même pas 100 francs dans la poche. C'est pourquoi il conclut, il dit, tout est vanité de vanité. Kabela baninga tangosa nango. Ne t'entends pas demain. Tu peux tomber là, mourir et partir.